Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Toff. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette pour fabriquer de l'appât, pour attirer les essaims dans des ruches pièges. Donc c'est une recette qu'un apiculteur m'a donnée. Alors, il y a plusieurs façons de les faire, on en retrouve quelques-unes sur internet. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos likes que vous avez mis sur mes autres vidéos. N'hésitez pas à les voir, hein, vous pouvez par exemple celle qui est juste au-dessus de la vidéo qui apparaît, vous pouvez cliquer dessus et voir les autres vidéos que j'ai pu faire. Je vous remercie beaucoup aussi pour vos commentaires et de suivre mes vidéos et surtout de vous abonner. Alors, pour cet appât, hein, on va avoir besoin de produits, de matières. Donc, il n'y a rien de compliqué. Tout d'abord, il va falloir évidemment de la propolis, hein, qu'il faudra préparer. Donc la propolis qu'on va récupérer sur le dessus des cadres, dessous des cadres. Ensuite, on va utiliser de l'huile essentielle, alors soit de citronnelle ou de mélisse. Moi personnellement, j'utiliserai de l'huile essentielle de mélisse. Et enfin, une matière grasse. Donc certains vont utiliser de la vaseline, de la graisse pour la pie des vaches, ou encore, moi personnellement, du saindoux. Donc c'est ce que m'a conseillé l'apiculteur avec qui je reçois les conseils. Donc on va voir tout ça ensemble, comment préparer, et à vous de reproduire après. Donc tout d'abord, il va nous falloir de la propolis, hein, que j'ai raclée sur le dessus des cadres. Voilà, donc comme ça. Donc là, elle est un peu en gros morceaux. Donc je vais la passer dans un mixeur pour pouvoir la rendre plus fine, et après on va la tamiser. Donc je vais prendre le mixeur et je vais mixer ça. Voilà. Donc voilà, la préparation est prête. Donc après l'avoir mixé, eh bien on va la tamiser et faire beaucoup plus fin le grain. Et voilà, on obtient une poudre, hein, une poudre assez fine, qui est très odorante, qui sent très fort la propolis. Ça va être super pour notre préparation. Donc pour cette préparation, je vous ai dit qu'il fallait de l'huile essentielle, alors soit de la citronnelle ou de la mélisse. Moi, j'utilise de la mélisse, hein, comme ça, voilà. Donc vous pouvez trouver ça soit en parapharmacie ou sur les sites internet. C'est pas facile à trouver, moi personnellement je l'ai commandé sur un site. Voilà. Donc on mettra quelques gouttes dans la préparation finale. Et enfin, rien de compliqué, du saindoux, hein, comme celui-là. Donc c'est une matière grasse pur porc, donc à 100% pur porc. Donc comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques. Parce que bon, la vaseline, certains utilisent ça, mais il peut y avoir des produits pétroliers dedans, et c'est pas forcément très bon. Donc voilà. Donc on va préparer les mélanges, et on se retrouve après. Donc, dans un récipient en verre, hein, ou autre, on va mettre notre saindoux. Il y a 250 grammes, on le rentre. On va faire fondre ça doucement. Donc soit vous pouvez le mettre au micro-ondes en faisant plusieurs fois les chauffes. Ne faites pas par exemple 3 minutes de chaud pour faire tout fondre, ça va pas aller. Faites plusieurs fois 20 secondes ou 30 secondes, mais pas plus. Jusqu'à ce que la matière fonde, même si c'est pas complètement fondu, le fait que le fond ait commencé à devenir liquide, vous allez laisser le fondre tout seul. Ou alors vous pouvez très bien, comme l'apiculteur qui m'a dit de faire comme ça, lui il le laisse au soleil tout simplement. Et c'est quand ça devient liquide, il ajoute les autres produits. Donc, on va faire fondre ça et on se retrouve après. Donc voilà, je l'ai passé 3 fois 20 secondes. Donc il n'est pas complètement fondu, mais on voit que c'est liquide sur le dessus. Je ne peux pas vous le pencher plus parce que ça va couler. Donc, j'ai juste à remuer un peu après. Hein.
C'est tiède, hein. Faut vraiment pas que ça soit chaud, bouillant, quoi. Sinon, bon, c'est pas l'idéal, quoi. Donc je remue. Voilà, on va dire que c'est crémeux. Regardez, hop, je sais pas si vous voyez. Hein, on voit que ça colle, mais c'est liquide quand même. Allez, hop. Voilà. Donc, on peut remuer. À partir de ce moment-là, on va pouvoir ajouter notre propolis. Donc, j'ai pesé, j'ai à peu près 40 grammes de propolis fine, hein, tamisée. Donc, on va rajouter ça en plus de notre préparation. Donc, on va la rajouter tout doucement, hein, et puis on va remuer au fur et à mesure. Ça va s'incorporer. Après, bon, les dosages, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre plus ou moins, vous pouvez. Après, bon, moi, je pense que les dosages sont pas si mal. De toute manière, plus ça sent, mieux c'est. Donc, voilà. Et enfin, pendant l'incorporation de la propolis, on peut rajouter notre huile essentielle, hein, de mélisse ou de citronnelle. Voilà. Donc, entre 10 à 15 gouttes, hein, suffisent amplement. Parce que bon, c'est des huiles qui sont concentrées. Donc, il ne faut pas non plus en mettre trop. Voilà. Donc, on va en mettre. Voilà, on met déjà un petit peu, on va remuer. Sent que ça commence à sentir la mélisse. On en rajoute un petit peu. Voilà, donc pour la propolis, j'ai pas tout mis. J'avais 40 grammes, je pense que j'en ai mis 20-25 grammes. Après, à vous de voir si vous voulez en mettre plus. Je pense que c'est, vu l'odeur que ça a, c'est amplement suffisant. Puis surtout, bien remuer, hein. Et puis bah, après, il faudra laisser reposer pour que ça refige, pour être badigeonné sur les cadres ou le corps de ruche. Donc, on va laisser figer tout ça et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne après que c'est effigé. Donc on voit, hein, c'est quand même un petit peu mou, juste assez pour pouvoir l'appliquer facilement. Donc il n'y a plus qu'à s'armer d'un pinceau, de tremper dedans et puis de badigeonner sur les cadres ou encore dans le corps de ruche. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé à piéger vos ruches et à attraper beaucoup d'essaims avec. Donc, je vous encourage à liker, à mettre un petit commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus!